Bonjour gang, ici Fan de randonnée, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve proche de Stoke, en Estrie, pour faire le mont Chapman. Voici les caractéristiques de cette montagne-là. Dans le fond, c'est un mont qui dure environ un bon 3h à 4h aller-retour. Au niveau de l'altitude, c'est 634 mètres. Et au niveau du kilomètre, c'est environ une bonne dizaine de kilomètres. Puis en même temps, ça fait une boucle. Donc, comme vous pouvez voir, notre cher Philippe est de retour avec nous autres. Après un bon, quoi, 3-4 mois, là? 3-4 mois, ouais. Fait que, ouais, explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé pour pas que tu sois avec nous autres. En gros, pour faire vite, c'est juste une inflammation des tissus, ça s'appelle une fasciite plantaire. C'est vraiment tout au niveau du talon, puis ça fait bien, bien mal, j'ai la misère à marcher. Donc, sur ça, on va commencer la randonnée, c'est parti!
Bonjour gang! Bon, ben là, nous sommes arrivés au premier point de vue de cette magnifique randonnée au Mont Chapin. Pour ma part, la première montée, pour vrai, c'était pas tant compliqué que ça. Il y avait quelques petites montées. Mais là, ce qui est particulier vraiment, c'est que là, on est rendu à la fin mars, puis il y a aucune neige. Vraiment, là, regardez ça ici, là. Il y a aucune neige pendant tout. C'est le sol dégelé complet. Fait que c'est quand même assez spécial. Toi, mon Philippe, comment que tu trouves cette première montée? Honnêtement, j'ai trouvé assez simple. C'était pas très difficile, honnêtement, puis surtout à fin mars, c'est pas. Il y a un peu de glace en bas, là. C'est pour ça qu'on a mis nos crampons pareil, mais c'était vraiment nice. Là. Il fait pas trop froid, on est vraiment bien. Puis la vue est quand même belle, même si c'est pas super ensoleillé, là. C'est vraiment nice. Oui, donc nous autres, on va continuer la randonnée. C'est reparti! Bonjour tout le monde! Bon, ben là, nous sommes arrivés au top du top du mont Chapman. Donc, pour ma part, la deuxième montée, c'était vraiment super, juste au niveau quand on arrive au dernier sommet. Pour vrai, les 350 derniers mètres, là, sont vraiment plus rough. Mais sinon, là, c'est vraiment des pentes très basiques, vraiment pas rien de très compliqué. Toi, mon Philippe, comment tu as trouvé ça? Alors, quand même, Rick, il dit, honnêtement, le dernier 350 mètres est un peu plus rough, mais honnêtement... Même pour moi qui n'ai pas monté depuis novembre, je m'étonne que j'ai pas pu s'épuiser que ça. J'étais vraiment... Je suis pas pire encore. Fait que non, c'est ça, oui, ça vient. Donc, nous autres, on va commencer la descente. Puis là, on a 2-3 points de vue à vous montrer. Donc, c'est reparti! What's up guys, on est rendu à la fin de la randonnée du mont Chapman. Moi pour ma part, ça s'est super bien passé honnêtement. À part un peu les 350 mètres qui restaient au fond, c'était vraiment smooth. Puis c'était pas trop demandant pour le cardio. Puis en plus, la descente, il y avait un peu beaucoup de neige. Là. Apportez-vous des bottes de rando. Pas comme nous autres, on avait des souliers. Là. Fait que non, c'est ça. Toi, Aymeric, comment t'as trouvé ça? Moi, pour ma part, la randonnée, je l'ai vraiment trouvé super. Pour vrai, là, c'est sûr qu'on n'a pas pogné tant la belle journée que ça. T'sais, il faisait quand même brumeux. Mais c'était quand même très, très bien. Il y a pas mal de cours d'eau sur la descente. Fait que c'était pas mal relaxant. Puis aussi, on n'a pas de points négatifs dans cette randonnée pour aujourd'hui. Donc, nous autres, on va vous laisser sur ce et abonnez-vous!